Coucou tout le monde, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est le jour J que vous attendiez depuis très très longtemps. Oui maman, enfin, on va avoir une chambre toute en rose. Oui, aujourd'hui, on va faire plaisir à notre fille Rose et faire une chambre toute en rose. T'es prête Rose? Je suis toujours prête maman, tu le sais, surtout lorsqu'il s'agit de la vie toute en rose. Oui. Et vous savez quoi? Pour avoir une chambre toute en rose, on a aussi apporté les fournitures de notre ancienne maison. Et tout ça concerne la chambre des jumelles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une chambre toute en rose. On commence par quoi? On commence tout d'abord par le lit. Attends, ne commence pas tout de suite. Pourquoi maman? Eh bien parce que d'abord, il faut regarder le journal de Miss Queen. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je le regarde tout le temps. C'est parti! Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, on passe pour la vidéo du jour. Ok les amis, j'espère que vous étiez dans ce journal. Si ce n'est toujours pas le cas, vous avez toujours une chance de me laisser un commentaire. Et comme ces personnes, faire partie de la liste des top commentaires de la chaîne Miss Queen. Bon Rose, c'est bon, on est à toi. On commence par quoi? Dis maman, je peux le faire. Ok, d'accord, vas-y. Tout d'abord, les amis, je fais comme maman. On fait les murs tout en rose. C'est parti. Je crois que cette couleur-là, c'est bon. En plus, il n'y a que deux types de roses. Ça aussi. Est-ce que j'ai du rose? Croisons les doigts. Oui. Et ce côté-là aussi, du rose. En vrai, je veux tout en rose. Parce que la vie est rose, les amis. Là aussi, un miroir. S'il n'y a pas du rose, c'est pas grave. On peut prendre du violet. Ensuite, de ce côté-là, du rose. Bon, tu sais quoi, je te laisse décorer la maison. Et moi, pendant ce temps-là, je vais aller regarder les jumeaux. C'est parti. Ok, maman, il n'y a pas de problème. Alors, on a dit tout en rose. Ça doit pas être si compliqué que ça, puisque il faut que tout soit rose. J'espère que ça va plaire à Mia, parce qu'il faut qu'elle partage la chambre avec moi. Rose. Ok, je sais, il y a des personnes, ils vont pas aimer le rose, mais moi je suis fan du rose. Si je trouve du rose à manger, je le mange direct. Rose, il n'y a pas? C'est bon. Et le sol, en rose. Et cette chaise, en rose. Un peu de rose foncé peut-être? Attends. Voilà. Ça, c'est mon bureau. Comme ça, ça y est. Ensuite, ah, ça aussi, en rose.
plaît, tu peux venir. Et appelle aussi Mia. Maman, je veux changer de pyjama. Ok, tu peux. Oui, là on dirait que je ressemble trop à Rose. Un pyjama... Il n'y a pas de pyjama intéressant ou quoi? Ça. Voilà. Et ça. Ouf, ça y est, je me sens mieux. Rose, on peut découvrir ta chambre? Mais... C'est... Tout en rose! Bah... Tu sais que j'aime bien le rose. Mia, t'as oublié? Oui, mais je voulais un petit peu de noir. Tout ça, c'est rose. Je vais pas dormir dans une chambre tout en rose. Allez, Mia, dis pas ça. C'est beau, le rose. Non, je préfère le noir. Le sombre. Oh, mais c'est beau. Franchement, Rose, tu t'es bien débrouillée. Attends, ça aussi. Tu pouvais faire en rose les cadres? Non. Ok. Autant pour moi. Mais c'est trop beau. Tout en rose. Waouh. J'adore. Oui, mais pas moi, maman. Ça va aller, maman. C'est beau, n'est-ce pas? Regarde, dormir sur un lit tout en rose. Comme la vie rose est belle. Oui, pour toi peut-être. Moi, je sais, j'ai une idée. Je vais faire une chambre tout en noir. Les filles, ne vous inquiétez pas. Il y a de la place pour tout le monde dans cette maison. C'est le but d'avoir une grande maison. Vous savez quoi? Mia, la prochaine fois, c'est toi. Tu vas décorer ta chambre tout en noir. Oui, comme ça, on verra ton goût aussi. Oui, je pense que je vais faire moi aussi ce challenge. Avoir une maison tout en noir. Une chambre, pas une maison. Oui, s'il te plaît. Je veux pas de salle de bain tout en noir. Et moi, je veux pas tout en rose. Les filles, ça va aller. Dites-moi les amis, comment avez-vous trouvé la chambre de Rose? Moi, je trouve qu'elle est incroyable et bien réussie. Oui, maman, dommage. On ne pouvait pas faire des plantes en rose. Abuse pas non plus, Rose. Oh, j'aime bien par contre le miroir. Il est beau. Et ce carnet à secret? Patouche, c'est mon carnet. Ok, ok, ça va aller. Je voulais juste lire tes secrets, surtout à propos de Roméo. Bon, maman, c'est à moi de faire ensuite une chambre tout en noir. Oui, Rose, dans une prochaine vidéo. Parce que là... Je sais pas comment je vais m'occuper. Des jumelles avec une chambre tout en noir et tout en rose. Et les jumeaux, eux s'ils vont me demander une pièce en rose, en rouge, en vert, en bleu, je sais pas. Mais les amis, dites-moi en commentaire, comment avez-vous trouvé la chambre tout en rose de Rose? A-t-elle réussi le challenge? Dites-moi tout en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de liker si vous voulez que je fasse le salon, la cuisine, la salle de bain tout en rose. Non, rose!